Salut la compagnie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo détente sur Fire Emblem Heroes. Et aujourd'hui on va essayer de finir le chapitre 2. Enfin, je sais pas si on pourra le finir, mais on va essayer en tout cas. Acte 1, premier pas en or. North. Je sais pas. Oh, notre bouquin machiavélique. Alors vous voilà, c'est déjà la deuxième fois que je croise le fer avec vos ordres. Ici nous sommes tous liés à Véronica par un contrat, mais c'est aussi la solidité que je lis dans ses yeux qui me pousse à me battre pour elle. Ah oui, parce que lui en plus il pète jusqu'au bout. Elle me rappelle un membre de ma fratrie qui a dû passer sa jeunesse dans une forteresse de solitude. Quand je vous dis que s'il a une tête de prince charmant, je veux dire si vous comprendrez un jour pourquoi je ne peux pas lui résister. Quoi qu'il en soit, il est temps que... Il est temps pour ma famille et moi de vous anéantir. Camille, Léo, Élise, allons-y. Alors déjà, il y a une meuf sur un dragon, donc toi tu vas t'en charger. Ensuite... Toi tu vas aller par là. Moi j'allais remettre fin de phase mais Oh, il fait mal lui. Ah, je l'aime pas. Allez, un soutien. Ah, c'est bien la peine que je vienne ici pour que t'ailles là-bas. Ok. Défonce-le! Ah bah voilà, parfait. Là. Voilà, ça c'est fait. Vous faites pas le poids contre ma puissance. C'est pas la peine d'essayer, je suis trop forte. Je pense que dans quelques épisodes je pleure tellement je serai là. Oh ça va, elle fait pas trop de dégâts quand même. Lui déjà j'ai un peu plus peur. Voilà. Non en fait. Non, t'es nul charmant. Que veux-tu que je te dise? C'est pas ma faute. Ça me fait un peu pitié pour eux quand même. Ils se font laminer. Trop de puissance, trop de talent. Vous avez plus de talent que je ne le pensais. Vous voyez? Le talent. Mais nous ne laisserons plus surprendre. Vous ne survivrez pas au combat d'avenir, chacun d'entre nous entouré de nos fidèles vassaux. Très bien, bon, on t'attend. On t'attend. En attendant, on va faire l'acte 2. J'ai pas lu le nom du truc. Voilà. Alors, vert sur bleu, donc tu vas aller par ici. Je peux péter le mur. Je sais pas si c'est utile, mais on va le faire. Vas-y, pète le mur. Voilà. Ah bah encore un Ken. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh god. Oh mon dieu. Mais vous avez fait la tête du mec? Ah, c'est la même. Oh. Ah putain, elle m'a fait mal là par contre. J'avoue que je suis pas fière là. Hein. Mais alors toi tu vas aller tuer lui. Elle, autant pour moi. Ah oui. Ah oui quand même. Ah, il y a deux soutiens en plus. Je vais mourir. Je me vantais il y a 3 secondes, c'est ça? Oui, bah c'était il y a 3 secondes. Voilà. Défonce-la. Non, elle va me crever. Elle va me crever avant. Voilà. Aïe. Ah, ça fait mal. Oh, mais regardez-moi ce truc là. C'est pas possible en vrai. Je vais perdre. Je le sens trop mal. Mais... Oh là, quelle catastrophe. Oh mon dieu, oh my god.
Bon. Allez, non, allez, il y a encore un peu d'espoir, je dis. Allez, riposte. D'accord. J'ai un peu peur là quand même. J'ai eu trop peur, j'ai vu le petit 1, je t'en mets non, 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 non. Je les ai eus. Je les ai eus. Bon, j'avoue, j'ai eu très peur. Je pense qu'il faut que je réfléchisse un petit peu plus. Allez, un petit acte 3 qui fait plaisir. Le prince inflexible. Là, ça va devenir trop compliqué pour moi, là. Ouais. Ouais. Voilà. Hein? On va y aller mollo. Non? D'accord. Je le sens mal. Elle m'a pas fait de dégâts. Alors. Déjà. Oh, ce que je t'ai mis. Enfin, ce qu'elle t'a mis. Ensuite. Mon petit archer adoré. Regardez-moi ça comme il est beau. T'aurais pu riposte quand même. Aïe. Aou. Ça fait bobo. Il est stylé lui. Par contre, il fait pas du tout de dégâts depuis le début, il sert à rien. Vas-y, défonce la le. Voilà. Ensuite, soit je pense que tu vas crever. Quoique. Ah, non, je suis mauvaise langue. Je n'ai pas assez confiance en mes troupes. D'accord. Et toi, t'es trop loin. Ah, bah oui. Ouais. Est-ce qu'il fait 0 parce qu'elle a un bouclier? Si c'est le cas, c'est bon à savoir. Je pense que ça doit être ça. C'est parce qu'elle a un bouclier, peut-être contourner les arcs. Bon, au cas où, je la mettrai, elle, vers les archers. Et bien, on ne finira pas le chapitre 2 dans cet épisode, mais du coup, je dis à très vite pour voir si oui ou non on va remporter sur les fameux vassaux de notre charmeur. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire ou à partager, et je te dis à très vite.